avec Fontaine. Passe soulevée. Ça ira pour Provo. À Drapeau, en territoire de Val-d'Or. Mauvaise passe, et alors il s'avance, il est seul, le tir et le but! Tristan Allard! Et 39 secondes que ça va avoir pris avant de faire sauter le toit de l'aréna. On espère que vous n'êtes pas arrivés en retard, Vincent. Un sapin pour commencer. Un premier but des Huskies, seulement deux. Noir à la gauche, ça se bouscule et les Foreurs vont réussir à sortir finalement. Avec Alex Carr sur Turgeon. Fontaine. Dufresne. Petite passe. C'est pour Allard. Ça ira pour Fontaine. Sur la droite, Fontaine du revers. La passe à Godet. Le tir bloqué par Fernandez. Beau déplacement de la droite sur la gauche. Du gardien. Passe à Fontaine. Fontaine à Bourroche. Tire sur réception. Ça a été bloqué devant. Retour à Gill à l'embouchure du filet. Ils vont s'échanger de position. Gill. À Bourroche, pas beaucoup d'espace, c'est le but! Quel lancé! Bourroche demande à la foule d'embarquer, c'est 2-0. Et c'est le huitième but, vous avez bien compris, huitième but de Daniel Bourroche dans les trois derniers matchs contre les Foreurs de Val-d'Or. Porté par les Huskies, bon travail de Zonon, tir passe dévié, Anthony Turcotte, trois buts en trois matchs. Et là, incroyable, Anthony Turcotte bien posté devant le filet et fait dévier cette passe parfaite d'Edouard Cournoyer. Là, il avait toute une vision de jeu. Catégorie différente, deux cycles complètement différents aussi. On n'a pas été habitué à ça, là. C'est 2-2 la guerre de la 117, je le rappelle Vincent, là. Mais là il manque Justin Robida, il manque Alexandre Doucet. J'ai des petites nouvelles, ils ne reviendront pas pour le reste de l'année. Donc, il reste encore. Une passe à Gill, retour vers Verdon, s'amène chez les Foreurs avec Dubois qui envoie la rondelle devant. Le tir de Houilleur par deux fois. Le gardien de but qui signale au vol! Au vol! Et c'est Olivier Dubois! Un premier pour Olivier Dubois cette saison, Vincent! Il le marque le 31 décembre 2022 alors que ses parents sont. Ici, Vincent, on est rendu à 4-0, wow. Alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes en première période. Là. Vraiment, festin offensif, on n'aura plus tellement faim. C'est une passe soulevée vers Zonon. Croyez à Godet, le tir et le but! Emeric Godet! Amenez-y les petites saucisses entourées de bacon, le party est parti! Et là, exactement ce qui devait se produire en début de deuxième période. Qui d'autre qu'Emeric Godet, le petit gars de la place, prend un bon lancer du poignet, qui bat Fernandez, et c'est le 5! Là, du côté des Huskies, là, on va tenter de jouer du jeu plus intelligent. Attention, ça mène à 2 contre 1 avec Allard sur la gauche. Allard, le tir bloqué par Fernandez. On accorde beaucoup de surnombre en territoire défensif. Tsibulka reprend. Et Tsibulka qui sort la rondelle. Et quelle mise en échec de Carr! Et personne ne va le voir! Personne va le voir! Méville sur la droite, il accélère. Pousse contre la bande, il va chercher lui-même la rondelle. La petite passe, et tire le but! Anthony Turcotte, son deuxième! Oui, et le numéro 15 des Huskies qui a accepté une passe parfaite de Jérémy Méville qui venait de se défaire de Kyle McCall. Des Foreurs, des Ruisseaux va sortir Fernandez parce que là, ça peut commencer à être décourageant pour lui. 6 buts sur 23 lancés, c'est pas nécessairement de sa faute, là. Vraiment, on est flat du côté des Foreurs, tandis que du côté des Huskies, on mange les bandes. Gauche de la patinoire, Provo, et là, c'est Dubois qui va ressortir du coin avec la rondelle, envoie à Carr à la ligne bleue pour Gill, le tir, Dubois, le tir, but! Son deuxième! Et c'est un touché, Vincent, un touché. 7e but des Huskies, 2e but ce soir pour Olivier Dubois. William Blackburn s'amène. Bien, pas 0 hier à Val-d'Or pour les Huskies, mais là, c'est 7-0 alors qu'il reste 6 minutes, 7 secondes. On voit même des joueurs qu'on avait... La rondelle tire. Tout le monde veut participer à la fête. C'est Turcotte. On va derrière à Mainville. Mainville, il y a un joueur des Foreurs. Brisson a perdu son casque. Un tir de la ligne bleue. C'est Buteau qui était descendu haut du cercle droit. Il dirige une rondelle vers Blackburn qui arrête tout. Bel arrêt de William Blackburn. Derrière le filet, Houilleur sur la droite. Accélère, Houilleur freine. Revient sur ses pas. Houilleur à l'embouchure du filet, le tir et le but! Emeric Godet!
Quelle patience du grand numéro 3 de Husky. Il était complètement seul devant William Blackburn. Il a attendu qu'il se commette et puis est revenu du revers. Son deuxième ce soir, Émeric Godet. Et rappelle-toi, Vincent, il a connu un fort match aussi la semaine dernière. Là. Et vraiment tout. Prochain arrêt de jeu, Fontaine et également Brisson seront de retour sur la patinoire de l'Arena Glencore. Solide mise en échec de Cournoyer sur Alexandre Guy.